Salut tout le monde, c'est John Medior. Aujourd'hui, on se retrouve pour une petite vidéo. Je sais, ça fait un petit moment qu'il n'y en a pas eu, enfin, non, du moins de ce que j'ai vu aux dernières nouvelles, ça fait une semaine. Mais bon, cette vidéo va être l'occasion pour moi de faire une petite mise au point sur l'avenir de la chaîne, donc sur les projets s'il y en a et autres, et surtout de fêter un petit événement en soi, puisque le 13 mai, donc c'est-à-dire il y a 4 jours, la chaîne a fêté ses 1 an. Et oui, déjà 1 an. Que je supporte vos sales gueules pour certains abonnés que j'ai déjà vus IRL, n'est-ce pas Mathieu? Pour n'est-ce pas Kevin et n'est-ce pas Samy aussi? Que je supporte vos commentaires, oui, c'est sans constant et autres. Non, je déconne, franchement, c'est toujours un plaisir de répondre à vos commentaires, de voir la tête de certains. Pour ceux que j'ai déjà vus IRL, sur Skype, TS ou ce que vous voulez. Et puis TS, y a pas de cam, on s'en bat les couilles, je dis ce que je veux, c'est ma vidéo. Donc voilà, donc ça fait plaisir. Je voulais faire une petite vidéo à la base. Je voulais faire un truc un peu plus fun. Je me suis dit pourquoi faire fun quand on peut faire simple. Et donc je fais simple, voilà. Parce que le fun au bout d'un moment, faut arrêter de faire du fun. Voilà, tabarnak. Donc, bah un an. Joyeux anniversaire à vous, joyeux anniversaire à moi, joyeux anniversaire à la chaîne. Et Yoda est parmi nous pour vous souhaiter aussi un joyeux anniversaire. Alors. Je tenais à m'excuser entre guillemets de ma pseudo-absence certaines heures via YouTube. En fait, je suis beaucoup moins fréquent, du moins moi c'est le sentiment que j'ai, même si j'essaie qu'il y ait une vidéo au moins une fois par semaine, j'ai le sentiment d'être beaucoup moins présent. Voilà, bon, c'est un sentiment qui m'est peut-être que ressenti par moi-même. C'est pas du tout français ce que je viens de dire, mais je m'en bats les couilles. Mais voilà, j'ai beaucoup d'abonnés, voire un seul, ça se trouve, je fais pas forcément attention au nom, du moins je m'en rappelle pas, qui me demande quand est-ce qu'il y aura une nouvelle vidéo sur Eclipse. Donc c'est une bonne chose, c'est que les aventures vous intéressent. Mais après, ce qu'il faut se dire, c'est qu'une aventure, ça prend du temps. Et il faut avoir la motivation de le faire. Je vous avoue que ces derniers temps, dans ma vie personnelle, donc IRL-ment parlant, il y a eu quelques péripéties, rien de grave, je vous rassure, qui ont en fait, on va dire, entravé ma motivation, tout simplement, que ce soit de jouer ou du moins de faire des vidéos. Ces derniers temps, cette motivation commence à remonter doucement mais sûrement, tout simplement par différents actes qui se sont passés qui m'ont fait énormément plaisir. Par exemple, dernièrement, je me cours à Nagrand pour aller faire une petite quête. Oui, ça, je faisais des quêtes pour le farm du maître des traditions, et il s'est avéré que je suis tombé donc sur une monture, donc grosse luck de ma part, ce qui est très très rare, parce que je suis le mec le moins chanceux qui existe dans ce putain de bas monde, côté jeu vidéo, voire IRL. Donc je tombe sur une putain de monture, donc grosse luck, et en plus de ça, je suis reconnu par un de mes abonnés, et c'est juste un putain de gros plaisir. Je sais pas si vous vous imaginez, mais c'est comme si vous sortez dans la rue, comme ça, vous marchez tranquillement, et quelqu'un vous connaît. Que vous ne connaissez pas forcément, mais il vous connaît par rapport à votre travail et pas par rapport au fait qu'il ait été au lycée ou quoi que ce soit avec vous, mais qu'il vous connaît comme ça. Ça, c'est fun et c'est toujours plaisant d'être reconnu. Je pense que le jour où on me reconnaît IRL dans la rue par une personne de ma chaîne, ça sera encore plus kiffant. Je crois que cette personne, je passe ma journée avec pour savoir son ressenti, lui poser plein de questions, et je pense que c'est moi qui se mettrai dans votre rôle. Profitons de cette petite vidéo donc pour faire une mise au point sur la chaîne. Je ne compte pas arrêter YouTube, hein, loin de là, non. C'est juste que voilà, faut que je retrouve le goût de faire ce que j'ai pu vous proposer jusqu'à maintenant. Et plutôt que proposer des vidéos de mauvaise qualité, je préfère freiner la chose. Donc voilà, c'est pour ça que je n'ai pas fait de vidéo ces derniers temps, que ce soit des WoW pour les nuls, des guides monture ou autre. C'est juste que voilà, je préfère vous proposer un contenu de qualité. C'est aujourd'hui le compliment qui revient le plus souvent sur ma chaîne, et j'aimerais que ça continue. Et donc j'ai préféré ne pas faire des vidéos de qualité de type moyenne pour faire des vidéos. Non, ça m'intéresse pas. Je préfère rester dans cette constance qui est plutôt bonne et qui me fait toujours plaisir d'avoir de bons retours. Donc voilà. J'aimerais profiter de ce fameux anniversaire, de cette première année sur YouTube avec vous. Pour que rebelote, on fait une petite FAQ. Rien de bien fou, posez-moi vos questions, que ce soit sur le jeu, personnel ou ce que vous voulez. N'hésitez pas à me poser des questions, n'importe lesquelles, quelles qu'elles soient. Faites-le donc directement via les commentaires de la vidéo ou via FB. Donc c'est à vous de voir. Je suis tout ouïe. Donc posez-moi toutes vos questions. Voilà. J'ai hâte de savoir quelles sont les questions que vous êtes amenés
à vous poser, que ce soit sur ma personne, sur la chaîne YouTube, sur le jeu, sur les différents jeux en soi, puisque je joue à pas mal de jeux. N'hésitez pas. Quelles que soient vos questions, je sais pas, des questions con, qu'est-ce que je fais IRL, quelles sont mes passions, mes hobbies, quelle est ma classe préférée sur vous, ou d'autres conneries, je sais pas. Laissez libre cours à votre esprit. Je n'ai aucun tabou, je serai franc et honnête avec vous. Clashez-vous. À côté de ça, donc oui, il y aura pas mal de changements dans ma vie dans les mois à venir, puisqu'en fait, je quitte totalement Paris. Donc ce décor, attendez-vous à ne plus trop le revoir. Je ne sais pas si je referai une vidéo où je me filme moi personnellement avant mon départ. Donc sachez que je vais rejoindre les Bretons, puisque je vais partir vivre à Brest. Sous peu, donc c'est peut-être définitif, peut-être pas, on verra bien ce que l'avenir nous réserve. Donc voilà, donc je vais retrouver les crêpes, les galettes bretonnes et la pluie. C'est pas mal, chacun ses kiffs. Donc voilà, donc on verra bien ce que l'avenir me réserve du côté IRL. Donc je tiens tout personnellement, je sais même plus ce que je dis, particulièrement, voilà. Le français, à remercier ceux qui m'ont été fidèles pendant cette année, qui m'ont encouragé, tels que Mathieu, Ryan, merde, j'oublie toujours son nom, Curdan, qui sont des abonnés courants et constants, qui sont toujours là. Il y a Thomas aussi, l'anti-parisien, qui est souvent là, auquel une petite dédicace aujourd'hui, parce que il peut dire ce qu'il veut, mais on est champion. Voilà, je sais que juste pour ça il mettra un pouce rouge, c'est fort probable, mais je t'en veux pas, je t'aime quand même. Donc voilà, merci à vous d'être là, d'être présent, et de me suivre, et donc de m'encourager dans cette longue épopée qui est YouTube. Il y a toujours des hauts et des bas, en ce moment on est plus dans un bas que dans un haut, mais sachez-le, je ne baisse pas les bras pour autant, et je suis toujours avec vous. Voilà, dans la FAQ, n'hésitez pas à me proposer des projets que vous aimeriez voir, des types de vidéos. Dernièrement, j'avais fait une vidéo donc avec mes potes de la team K, qui sont de très bons potes à moi, et je fais un gros bisou à Ludo au passage. S'ils regardent la vidéo, il y a Makenshi, ils se reconnaîtront. Donc avec lequel, donc pour Ludo, j'ai fait la vidéo sur Heroes of Storm. Si vous aimez ce type de vidéo où on part totalement en délire, ou entre guillemets, on partait dans le principe de troll, c'est ce qui au final s'est avéré être un putain de gangbang pour l'équipe adverse. Malheureusement, voilà, même quand je veux troll, je fais des stats de type magnifique. Je suis désolé, j'arrive pas à troll. Je crois que mon don de gamer passe au-dessus du troll. Voilà. C'est tout ce que j'avais à vous dire. Je compte faire une vidéo sûrement pour Eclipse, du moins, donc, la suite des aventures, assez rapidement. Encore une fois, une question de motivation. Quand je vous dirai pas de date, je préfère ne pas donner de date pour être libre de mes mouvements. Je vous avoue que je ne suis... jamais sûr de ce que je fais, que ce soit dans l'heure, dans le bout, aucune idée. Donc voilà, là ce matin j'étais motivé, il est 9h, je suis réveillé depuis 7h30, voire 8h, je me lève tôt en ce moment. Et je me suis dit, allez, go faire une vidéo, motive-toi, espèce d'enculé. Donc voilà, d'où ma vidéo. Donc j'espère que vous aurez eu les réponses à vos questions, du moins, et n'hésitez surtout pas à me poser la question, je compte sur vous. La dernière FAQ, on a eu pas mal de questions, là j'espère en avoir beaucoup plus. On est 780 abonnés. Sur les 780 abonnés, je devrais avoir une ribambelle de questions. N'hésitez pas, posez-moi n'importe quelle question, même si elle revient en triple, en quadruple, rien à foutre, posez la question. Faites-moi kiffer, je compte sur vous, et sachez que vos questions vont me mettre un coup de boost, et c'est toujours bon de pouvoir échanger avec vous. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est pas le cas, bah, allez vous faire enculer. Si c'est le cas, allez vous faire enculer aussi. Non, je déconne. Merci. Encore une fois, merci. Ça fait un an. J'ai pas de bougie, j'ai pas de gâteau. Je suis pas un kéké. Mon propre anniversaire, je m'en bats les couilles. Donc l'anniversaire de la chaîne, je m'en bats un peu moins les couilles. Donc voilà, merci beaucoup à tous. Et continuez à me laisser vos commentaires, à me poser vos questions, quelles qu'elles soient. Bonjour à tous, et profitez de la vie et du jeu et des femmes et des hommes si vous êtes une femme. J'ai de la merde, comme d'hab. Salut tout le monde, je vous kiffe. Tchuss.